Donc bonjour, bienvenue à tous. Alors j'ai tous les slides sont en anglais, mais je vais parler français sur cette conférence. Voilà. Donc au secours, ma mémoire fuit. Donc j'ai traduit ce matin. Ça va être dispo sur le web pour que tout le monde puisse en profiter. Donc hello everybody. Bon, rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Julien Poli, je travaille chez BlaBlaCar. Donc on a un petit stand en haut, on est sponsor, donc si vous voulez passer nous voir, vous êtes les bienvenus. Donc je suis développeur PHP principalement hein, depuis une bonne grosse dizaine d'années, PHP 3, donc ça date déjà. Et depuis quelques années, je suis passé de l'autre côté de la barrière. Alors, je m'intéresse au code source de PHP. Et donc cette année, je m'occupe du release management de la 5.5, qui en est à sa deuxième bêta aujourd'hui. Il devrait sortir d'ici cet été à peu près en stable. Et puis donc j'écris pas mal d'articles, de bouquins à l'occasion, quand j'ai le temps. Et puis bon, bah, vous avez mes coordonnées en bas si vous voulez me joindre. Donc BlaBlaCar, ah, on est à 3 millions maintenant, j'ai pas mis à jour le slide. Ah là là. Bon, vous pouvez passer nous voir sur le stand. En gros, bonne start-up qui monte bien hein, à l'échelle européenne. On est aussi présent sur mobile. Donc voilà, globalement, c'est hyper intéressant de bosser dans ce milieu bien motivant, avec une bonne grosse croissance. Donc, covoiturage en Europe, dans une grande partie de l'Europe aujourd'hui. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de pas mal de choses, principalement de la consommation mémoire de PHP, de regarder comment est-ce qu'on peut la mesurer, comment est-ce qu'on peut la maîtriser. Puis ensuite, on va parler d'outils. On aura un petit exemple, une petite application après avec le DIC, donc le Dependency Injection Container de Symfony 2 que j'ai pris comme exemple après. On parlera Garbage Collector et puis tous ces trucs-là. Là. Donc j'aime bien montrer aux gens comment fonctionne PHP puisque c'est en sachant comment ça fonctionne qu'on programme mieux. Quand on sait comment fonctionne sa voiture, on conduit mieux. C'est la même chose avec la programmation. Donc voilà. Alors, au niveau consommation mémoire, donc je rappelle un processus. Alors là, on ne va pas trop parler processus, on ne va pas trop descendre bas niveau. Globalement, vous avez deux types de conteneurs mémoire qui vont consommer de la mémoire. Vous avez ce qu'on appelle donc, la pile et puis le tas. Okay, le stack et le heap, pour ceux qui ça dit quelque chose, peut-être dans un lointain passé. Alors souvent on dit oui, PHP ça fuite, c'est pas vrai. En tout cas, on essaye de faire en sorte que ce soit pas le cas. Vous passez un coup de Volgrind sur un -V ou un je ne sais quoi, vous verrez, ça leak pas. Après, si vous installez des extensions à droite, à gauche, dont vous n'avez pas lu le code source et vous savez pas ce qu'il y a dedans, oui, là ça peut leaker. Bon, sinon au niveau de la programmation de tous les jours, on va regarder que ce qui consomme de la mémoire en PHP, c'est la quantité de code parsé. Donc ça, on va le démontrer très facilement. Les variables, et puis là, on va rentrer bien dans les détails. Le contenu des variables, notamment les objets, tout ça. Donc on va en parler, ensemble. Alors on va commencer par la stack, donc c'est la pile. Dans un processus, la pile, c'est en fait une quantité mémoire qui est gérée de manière automatique par le kernel notamment. À chaque fois que vous appelez une fonction, la pile va augmenter en taille pour notamment récupérer la liste des arguments que vous passez à la fonction, en C, tout ça. Hein. Et quand vous quittez la fonction, la pile est automatiquement détruite, en tout cas la pile de cette fonction, ce qu'on appelle donc les fameux stack frames. Okay. Il faut savoir qu'en PHP, quand vous faites un appel de fonction derrière, vous avez beaucoup d'appels de fonctions en C. Donc appeler une fonction PHP, c'est empiler pas mal de données sur la pile du processus. Et quand la fonction PHP se termine, c'est aussi dépiler du coup pas mal de données sur la pile du processus. C'est pas
c'est pas énorme non plus en fait, hein, vous pouvez appeler beaucoup de fonctions en PHP avant d'avoir un Stack Overflow. Vous l'aurez quasiment jamais en fait, vous allez péter votre processus avant de pouvoir faire un Stack Overflow, mais c'est possible de le faire, mais c'est pas ça le plus intéressant au niveau consommation mémoire. Au niveau consommation mémoire, ce qui va nous intéresser plus en tant que développeur PHP, en tant que programmeur PHP, qui manipulons du code PHP tous les jours, c'est notamment le TAR. Donc le TAR, en fait, c'est la consommation mémoire au runtime, c'est-à-dire quand PHP s'exécute, okay, il peut consommer plus ou moins de mémoire en fonction de pas mal de paramètres, mais notamment on a donc des grands axes à vérifier, donc les extensions PHP, le code PHP parsé, on l'a dit, et puis les variables. Et vous avez principalement un outil qui vaut ce qu'il vaut, on va l'expliquer à la fin, qui est la fonction memory getUsage, qui vous retourne un chiffre, et on va détailler ce chiffre, on va voir qu'il n'est pas forcément juste, il donne une appréciation convenable de la consommation du tas de PHP, pas de la pile, hein. Ok, donc il faut encore ajouter la pile, puis tous les points SO que vous avez chargés, etc. Bon, ça, on n'en parle pas sur ce talk. Donc on va s'axer sur les extensions, le code parsé et puis les variables utilisées. Okay, donc les extensions PHP. Alors les extensions PHP, vous savez tous un peu ce que c'est, je pense, voire même beaucoup en détail. Les extensions PHP, elles ont plusieurs hooks. C'est un peu comme les bundles, je crois, de Symfony, où en fait il déclenche des méthodes au bout du kernel. Là, c'est un peu la même chose. Dans PHP, en fait, chaque extension que vous allez, rien que le fait d'activer l'extension, peut faire consommer une partie non négligeable de la mémoire du processus PHP, puisqu'on voit qu'elles ont toutes un hook qui s'appelle Request Startup Func. Okay, qui est loadé sur toutes les extensions que vous chargez. Et donc dans ces Request Startup Func, si vous passez toutes les extensions PHP en revue, vous verrez que certaines, beaucoup même, allouent de la mémoire pour des structures que vous pourrez utiliser lorsque vous utiliserez au runtime cette extension. Si vous ne l'utilisez pas, elle a quand même alloué des structures qu'elle ne va finalement pas utiliser, au contraire qu'elle va désallouer en shutdown. Et donc c'est un petit peu idiot. Alors je n'ai pas de gros exemples flagrants. MBString utilise un buffer assez convenable. APC aussi, mais bon, APC c'est un peu plus normal. Donc... première recommandation, si vous avez un PHP-M en ligne de commande, si vous avez un million d'extensions qui sortent et que finalement vous apercevez qu'il y en a certaines que vous n'utilisez vraiment pas du tout, tant qu'à faire, désactivez-les, vous réduirez d'autant la consommation de mémoire de PHP. Certaines extensions mal écrites, enfin vous pouvez trouver des trucs à droite, à gauche sur le net, notamment sur GitHub. C'est un peu comme les bundles de Symfony 2. Il y en a qui sont bien écrits et puis il y en a qui sont moins bien écrits. Donc les extensions, c'est un peu pareil. Il y en a qui sont bien écrites, qui font bien ce qu'il faut. Et puis il y en a où, plutôt que d'allouer 32 octets, on va en allouer 300. Comme ça, on en a un peu en rab et puis finalement, on n'utilise pas tout ça. Donc il faut quand même un petit peu regarder ce qui se passe. Ça peut jouer des tours. J'ai plus de chiffres en tête parce que je ne l'ai pas fait avant de faire les slides, mais j'avais fait un PHP mini, donc moi disable all à la compilation, et un PHP maxi, et je crois que le mini, en plus si vous le compilez en moins OS, vous pouvez tomber à moins d'un mégaoctet de consommation mémoire. Au démarrage de PHP, il est prêt à exécuter votre script. Un PHP classique avec des extensions normales en moins O2, vous tournerez plus autour de 5, 6, 7, 8 mégas. Ensuite, il va parser votre code, il va l'exécuter, etc. Rien qu'au démarrage. Hein. Donc ça peut quand même coûter assez cher. En plus des extensions PHP, il y a quelque chose qu'on oublie un peu souvent. Alors, j'avais tweeté, j'avais blogué sur ça. Bon, il ne faut pas l'oublier voilà, que quand PHP parse du code, c'est-à-dire quand vous faites du require, ou quand il lit du code et puis qu'il tente de comprendre ce que vous avez écrit sans l'exécuter, hein, il va consommer de la mémoire et il peut en consommer beaucoup, un peu comme Java quand il compile des classes. Quand vous compilez des classes, là c'est pareil en PHP, sauf qu'on a moins l'impression de le faire puisque forcément c'est PHP qui le fait tout seul. On voit bien ici, je fais un getUsage et puis ensuite j'inclus container builder que je pense vous connaissez tous, on va pas détailler, et container builder a lui-même
par autoload tout un tas de dépendances, okay, qui vont être parsées par la même occasion. Et on voit bien qu'avant et après, surtout après, on voit pas trop avant. Là, on est sur après, on est à 549 kilo-octets environ, hein, de consommation mémoire une fois que ça a été parsé. J'aurais dû mettre le chiffre avant si j'étais un peu bête, mais le truc était surtout pour vous montrer qu'en PHP 5.4 c'est divisé par 2, donc une fois de plus je le répète, PHP 5.4 c'est la plus grosse amélioration de performance que PHP n'ait jamais connue dans sa vie, et j'hésite pas à le dire, hein. 5.5 il y a beaucoup moins d'amélioration, il y en a mais beaucoup moins, 5.4 c'est fulgurant les progrès qui ont été faits en termes de consommation mémoire. Nous on le constate sur nos serveurs. On n'est pas encore en 5.4 en prod, mais ça devrait pas trop tarder. En gros, c'est quasiment divisé par deux. Ça peut diviser par beaucoup plus selon ce que vous faites à l'intérieur. Donc, plus vous parsez de code sans l'exécuter, et tout ce code-là, bah, PHP va le mémoriser pour ensuite pouvoir l'exécuter. Okay, donc, il ne faut pas l'oublier non plus, surtout quand on a des frameworks, on a beaucoup de classes et beaucoup de choses comme ça. Il faut pas oublier que PHP, sans même avoir exécuté, il a exécuté un echo. Bon, il peut consommer pas mal de mémoire là-dessus. Idem pour les caches d'opcode. Alors pour ceux qui savent pas trop comment ça fonctionne un cache d'opcode, le cache d'opcode en fait, il va vous économiser du CPU, mais il va vous, ça a un prix, hein, c'est rien n'est magique. Il va consommer de la mémoire, puisque le cache d'opcode en fait, il va parser le code des fichiers et puis il va stocker l'opcode résultant en shared memory, donc il va ouvrir un segment avec l'appel mmap pour ceux qui connaissent, et il va mettre du map anonymous pour ceux qui connaissent, donc il va ouvrir un segment de mémoire partagée dans lequel il va stocker tout cet opcode, et puis ensuite quand vous relancez vos scripts PHP, en fait il va pas reparser les fichiers, bon, on connaît tous le principe du cache d'opcode, par contre il va prendre l'opcode qui est en mémoire partagée et puis il va le dupliquer en mémoire locale pour pouvoir ensuite l'exécuter, parce que la mémoire partagée, elle est en lecture seule, elle est en read et write protected. Donc en fait, vous vous retrouvez avec, théoriquement, deux fois la consommation mémoire du code qui a été parsé, puisqu'il est parsé une première fois, il est mémorisé en mémoire partagée, et à chaque fois que vous exécutez, cette mémoire partagée est dupliquée dans la mémoire du processus pour être exécutée, être analysée, etc., etc. Donc un cache d'opcode, d'ailleurs on le voit très bien dans le code source d'APC, je rappelle qu'on travaille dans de l'open source, donc il ne faut quand même pas hésiter de temps en temps à regarder un petit peu ce qui se passe. J'ai pris juste un petit peu, hein, j'ai coupé un peu le code aussi s'il était un peu gros, donc là on voit bien que APC copy op array for execution, c'est clair, net et précis, il prend l'op array complet de votre fichier, hein, tout l'opcode qui a été parsé la première fois, qui est en mémoire centrale, en mémoire partagée, et il le duplique, my copy static variable, apc même copy, my prepare op array for execution, etc., etc. Là derrière, vous avez que des mêmes copies, que de la copie, il duplique, hein, totalement. Donc vous n'avez pas un cache d'opcode qui est partagé pour tous les processus, et tous les processus vont exécuter, non, chaque processus va dupliquer cette partie pour l'utiliser de manière locale. Ok ? Donc ça, faut pas non plus l'oublier. Alors, j'ai pas dit qu'il fallait plus écrire de code PHP, du coup. J'ai pas non plus dit qu'il fallait mettre tout son code dans un même fichier. Ça peut être idiot, parce qu'en fait, si vous mettez toutes vos classes, vous les réunissez dans un seul fichier, vous parsez ce fichier-là, donc vous allez augmenter sensiblement la consommation mémoire de PHP, mais vous n'allez pas forcément exécuter tout le code que vous avez parsé. Ok ? Donc là, vous allez gaspiller un peu de mémoire, puisque vous allez lui dire, parse-moi la classe A, parse-moi la classe B, parse-moi la classe C, et puis je crée un objet A et je crée un objet B, et puis je les utilise, mais je ne crée jamais C. Par contre, PHP, il a toute la définition de la classe C, il a parsé tout le code de la classe C, mais vous n'allez jamais l'utiliser. Okay, donc ça, c'est pas non plus génial, génial, génial. C'est pour ça qu'on utilise aujourd'hui un autoload. L'autoload, c'est génial pour ça, parce que l'autoload, ça parse... Ça demande à PHP de parser le code uniquement lorsqu'il en a besoin à l'exécution. Okay, donc utiliser un autoload, aujourd'hui bon, avec Composer et tout, tout est magique, tout est fait automatiquement. Donc utiliser un autoload, ça va permettre à PHP de parser uniquement le code dont il a besoin à l'exécution, et non pas parse tout et puis exécute finalement la moitié ou les trois quarts. Utiliser une version PHP récente, on a vu qu'en 5.4 on est quand même beaucoup mieux en termes de consommation mémoire, et bien sûr utiliser un cache d'opcode. Donc ça, c'est à la compilation du script, on a vu un petit peu comment ça se passait. Là où ça va être le plus intéressant, et c'est là où vous pourrez intervenir majoritairement,
c'est à l'exécution du code. Donc une fois que PHP a parsé ce code-là, l'a stocké quelque part et qu'il s'apprête à l'exécuter, bah, il va exécuter ce que vous lui dites de faire, et des fois on lui dit de faire des choses qui sont un peu idiotes parce qu'on ne sait pas trop comment ça fonctionne derrière. Donc bon, bah, là on va regarder un petit peu comment ça fonctionne, notamment le principe des variables, les références, les machins, choses comme ça. Donc en PHP vous créez des variables, les variables elles ont un type, même si en PHP on ne type pas, et on va voir que le fait de ne pas typer, bah, ça fait que derrière on va avoir un conteneur C, on va le voir, qui va être capable de mémoriser tous les types en même temps. C'est une structure, c'est pas une union, en tout cas cette val, on va le voir, donc ça consomme quand même pas mal de mémoire. On ne demande pas de connaître à l'octet près, on s'en fiche, mais de savoir que, attention, cette variable-là, elle est lourde, il y a quelque chose de lourd dedans, il faut que je fasse attention, surtout si je commence à faire du for each, du machin, du chose comme ça. Voilà, c'est juste avoir un aperçu. Bon, ça, c'est, on s'en fiche, c'est un entier, laisse tomber, c'est pas sur ça qu'il faut travailler, c'est plus sur ce type d'objet ou sur ce tableau-là, parce que celui-là consomme beaucoup de mémoire, on le sait, donc c'est bien de le savoir, c'est bien d'avoir un peu en tête, de savoir un petit peu comment ça se passe. Pas besoin d'être très précis, mais au moins de ne pas être complètement aveugle. Donc c'est ce qu'on va regarder en analysant un petit peu le fonctionnement des variables en PHP. Alors, en interne, bon, ça, vous en avez peut-être déjà entendu parler, on entend souvent parler de ce mot-là, la fameuse structure Zval, la Zen Value. Donc c'est comme ça que PHP stocke ses variables, donc une variable en PHP, derrière quelle qu'elle soit, hein, ça, vous pouvez y aller, c'est une Zval struct, ok ? Une Zval strict. Donc dessus, on voit, qu'est-ce qu'on a ? On a un refCount, c'est un type entier, un type, un isRef, c'est un flag, on va voir, et puis la fameuse valeur qui est de type zValue value, et forcément zValue value, cette fois-ci c'est une union, donc il y a plutôt intérêt. Là on voit bien, le conteneur de gauche est capable de contenir tous les types PHP, donc le long, bah, ça va être l'entier, le double, ça va être le flottant, la structure str, ça va être la chaîne, la hash table, ça va être le tableau, et puis le zendObjectValue, je vous laisse deviner à quoi ça sert. Donc ce zValueValue qui est dans la zval, bah, permet de définir le type de variable qui doit être utilisé. Le type, vous l'avez aussi en char ici. C'est ce qui permet de sélectionner le bon champ quand on pointe dessus derrière. Ok, donc il utilise une même structure. Alors on va un petit peu détailler tout ça et on va essayer de se rappeler un petit peu combien ça pèse, tous ces types-là en mémoire. Alors évidemment, je vais prendre un exemple de machine à 64 bits. Hein, machine à 32 bits, on n'en a plus trop aujourd'hui. C'est beaucoup, beaucoup du 64. Alors le 64... On ne va pas faire un cours sur le 64 ni un débat. Enfin, bon. Il y a des choses à dire, notamment bah, le 64, ça consomme quand même plus de mémoire que le 32. Hein. Forcément, tous les pointeurs sont doublés déjà. Puis vous avez d'autres types qui peuvent être doublés. Donc oui, en 64 bits, on peut mettre plus de X gigas dans sa machine. Mais oui, le programme va consommer plus de mémoire, hein, okay, qu'en 32 bits quand même. Donc le long, donc il fait 8 octets, donc le PHP integer. Donc le long Lval qu'on a ici fait 8 octets, là où sur 32 bits, il n'en fera que 4. Ok, on a le long pour faire du... En tout cas, sous Linux, c'est sûr. La chaîne de caractères, donc le fameux str. Alors le double, c'est pareil, hein, il fait double précision, donc il fait bien 8 octets aussi. La chaîne, elle va consommer, vous voyez, donc la structure, un pointeur, char étoile, donc un pointeur c'est là où il y a une grosse différence entre le 32 et le 64. Un pointeur c'est 8 octets en 64 bits, c'est 4 octets en 32 bits. Des pointeurs, on en a des milliers dans PHP, donc je vous laisse imaginer ce que ça pèse. Et puis on a un entier, ça coûte 4 octets, ok. Donc en fait la chaîne va coûter un pointeur plus ce qu'on va allouer derrière, donc c'est le nombre de caractères en général, plus un entier qui contient sa longueur. Donc elles sont les fameuses chaînes binary safe. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez mettre ce que vous voulez comme caractère, y compris le fameux caractère anti-slash 0, dans une chaîne PHP, ça ne va pas déranger PHP outre mesure. Et puis derrière, bah, quand on a des hash tables ou des zendObjectValue, alors je ne sais plus zendObjectValue derrière, c'est juste un entier en fait. Hein. ZendObjectValue, c'est le fameux object dièse ID, enfin le...
que SPL Object Hash d'ailleurs vous retourne en le passant sur du Sprintf, quelque chose comme ça. Donc ça coûte pas très cher. Et puis HTable étoile, donc c'est un pointeur, ça coûte 8 octets. Donc en fait, si on crée $A égale 10 ou $AB égale 11.23, ça va nous coûter 32 octets au total. Donc la fameuse zval plus la zvalue plus le type, donc un entier ou un flottant. Donc un entier ou un flottant en C sur du 64 bits, ça pèse que 8 octets. En PHP, ça en pèse déjà 32, c'est-à-dire 4 fois plus. J'ai arrondi, parce que c'est pas encore tout à fait vrai. Il y a encore des overheads qui sont derrière, ça coûte un petit peu plus que ça. Bon, c'est un peu simplifié. Une chaîne, pareil, 32 octets pour votre zval plus le nombre de caractères plus 1. Ok. Toujours comme ça. Donc, c'est surtout le nombre de caractères qui est important. Si vous faites un file get contents d'un super gros fichier qui pèse 10 mégas, bah vous allez tout de suite consommer 10 mégas de mémoire dans PHP, par exemple. Et puis, donc, les tableaux et les objets, c'est un peu plus compliqué. On va les détailler, mais c'est un petit peu plus compliqué. Donc, les tableaux. Alors, il y a eu beaucoup d'articles qui ont été écrits sur des tableaux. C'est un peu télescopé avec d'autres personnes qui travaillent sur PHP et qui disent des bêtises, il y en a qui n'en disent pas. Bon, bref, c'est pas très grave. C'est des tables de hachage. Alors là, c'est encore pire que la fameuse Z-value, c'est-à-dire que la table de hachage, c'est quelque chose qui a essayé de dire, bon, bah, je suis à la fois un dictionnaire, à la fois une liste, à la fois un ensemble, etc., etc. Et donc, tout ça dans une même structure, ça coûte cher, hein. D'accord ? Donc, quand vous savez qu'un entier, c'est 4 octets, un long, c'est 8 octets, et tout ce qui est étoile, c'est 8 octets, bah vous allez voir que finalement un tableau ça coûte beaucoup de mémoire en PHP. Surtout, ça c'est une case d'un tableau, hein. C'est une alvéole, c'est un bucket. Donc $A crochet 1, hop, il va créer un bucket et il va mettre votre zval 1 dedans, etc., etc., etc. Donc surtout quand vous avez beaucoup d'éléments dans votre tableau et qu'en plus il est récursif, alors c'est encore pire. Bon bref, ça peut coûter assez cher. Donc si on fait le calcul, je me suis un petit peu amusé à faire le calcul, vous allez voir que ça coûte quand même pas mal. Alors bon, ça vient d'un tuto que j'ai écrit, que vous pourrez retrouver en français. Globalement, vous avez des listes chaînées, vous avez tout un tas de choses derrière le tableau. Donc chaque alvéole, chaque slot dans le tableau est de type bucket. Donc on l'a vu tout à l'heure ce que c'était le type bucket. Donc si on fait un peu le calcul, on va prendre un tableau qui contient 10 entiers. Ok, donc je fais un range, hein, de 1 à 10, voilà, en bref, dans $A. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais consommer ? Ben, je vais consommer $A. $A, c'est une variable, donc une variable, ça veut dire une zval. Ok, une zval qui contient un entier. Donc là, cette fois-ci, vous voyez que j'ai pris le poids réel, c'est-à-dire 48 octets et non pas 32. Alors, je vous fais le calcul plus précis. Donc 10 fois une structure zval qui contient un entier, ça fait 10 fois 48 octets, plus un tableau, on a dit que c'était une structure htable. La structure htable, elle est ici. Si vous faites le calcul, alors il faut savoir faire l'alignement mémoire aussi, parce que ça aligne à la puissance de 2 des fois. Enfin, il y a des petites astuces là-dessus, c'est un peu... Donc ça fait 88 octets en fait, la htable, donc il faut la louer. Et alors la grosse astuce des tableaux, c'est que quand vous voulez mettre 10 cases à l'intérieur, il va créer 16 cases, il va créer la puissance de 2 supérieure, immédiatement supérieure. Donc là, vous vous faites avoir, c'est quand vous créez un tableau de 128 cases, il va en créer 255. Alors vous montez dans les puissances de 2 et puis je vous laisse imaginer ce que ça fait. D'accord ? Il crée un tableau C, d'accord ? Qui contient des pointeurs, donc x 8 octets, de X cases. Donc quand vous mettez 10 valeurs dans un tableau, il en crée 16. Et quand vous arrivez à la 16e, il va être obligé d'augmenter jusqu'à 32 et de réindexer, de recalculer toutes les clés. Donc là, vous pouvez avoir un petit overhead, notamment pas sur 16 et sur 32, mais plutôt sur 2 puissance beaucoup, d'accord ? Quand vous avez, je ne sais pas, à partir du millier, dizaine de milliers déjà, on peut sentir le petit overhead au niveau du processeur. Hein, dès qu'on va dépasser la puissance de 2, il va doubler la capacité sur la puissance de 2 supérieure, donc déjà ça peut aller très haut, et puis il va réindexer toutes les clés parce que l'algo de hachage dépend du nombre de cases dans le tableau. Donc évidemment quand on change le nombre de cases, il y a toutes les cases qui sont déjà indexées, qu'il faut réindexer avec l'algo de hachage, qui fait des décalages de bits, etc., etc. Donc ça coûte assez cher en processeur, mais c'est pas le problème. Donc on a 10 entiers, il va créer 16 cases.
en interne. Okay, 16 cases, 16 structures bucket. Je reviens un petit peu en arrière, qui est là. Hein. Donc c'est une liste chaînée, hein, le suivant, le précédent, bon, rien de très... 16 buckets. Donc un bucket, ça fait 88 octets. Bref, au total, en simplifiant un petit peu, on arrive à 1976 octets. En C, un entier, c'est 8 octets. J'en veux 10, bah, c'est 80 octets. Okay, donc entre 80 et 1976, il y a beaucoup d'écart. Okay, donc forcément, le tableau PHP, on fait ce qu'on veut avec, vous connaissez tous ces tableaux, je ne vais pas vous les détailler. Eh bien, cette facilité d'utilisation qu'on a des tableaux, bah, ça se ressent derrière dans le code source de PHP et puis dans la consommation mémoire. C'est pour ça qu'on a, en PHP 5.3, est apparu le fameux SPL Fixed Array, et puis vous avez d'autres extensions qui, elles, créent des tableaux C de pointeurs très précis, mais là, la taille est fixe et vous ne pouvez pas le resizer. Ou alors, si vous le resizez, vous avez un coût non négligeable, puisqu'il est obligé de faire tout un tas de malloc, de réalloc derrière. Ok, donc ça, un tableau, ça peut coûter assez cher. Alors, les objets, c'est un peu plus compliqué à calculer encore que les tableaux, les objets, parce qu'il y a pas mal de choses. Ils peuvent partager la même classe, ils peuvent partager, il peut y avoir des arbres d'héritage. Donc évidemment, PHP, à chaque fois qu'il y a de l'héritage, bah, il va s'arranger pour ne pas dupliquer, pour être le plus mince possible en termes de consommation mémoire. Alors, pour simplifier un peu, un objet, c'est un Zend Object, et puis c'est un Zend Object Storage Bucket, dans lequel il y a pas mal de choses qu'on ne va pas détailler. Là, on ne va quand même pas se rendre fou à ce point-là. Globalement, il faut savoir que un objet, vous prenez une classe et puis vous déclarez trois attributs ABC, vous créez un objet, ça coûtera moins cher en mémoire que de créer un tableau dans lequel vous mettez ABC. Et plus il y a d'attributs déclarés, on va le prouver après, public, protected, private, on s'en fiche, comparativement au même tableau avec le même nombre de cases, plus il y en a, plus vous allez gagner avec l'objet par rapport au tableau. Oui ? Tu parles d'objet, est-ce que ça reste des classes ou c'est une classe ? Une classe, oui, on crée une classe, classe Toto. Il y a une différence entre une classe et une classe, c'est ouvrir avec la classe d'application ou utiliser oui. Des classes de PHP. Oui. Il y a une différence quand tu crées un attribut à la volée et quand tu le déclares à la compilation. Parce que quand tu le déclares à la compilation, il va être capable de créer un tableau C, donc très léger, pour tout pile stocker les attributs à l'intérieur, alors que quand tu le fais à l'exécution, il ne sait pas à l'avance new std class, std class flèche A égale A, flèche B, là il va faire une hash table, okay, et il va commencer à 4, ensuite à 8, ensuite à 16, ensuite à 32, il va encore y avoir de l'overhead là derrière. Donc il faut absolument, on va le démontrer, il faut déclarer ses attributs, public, privé ou protégé, on s'en fiche, il faut les déclarer pour que le parseur, quand il parse dessus, il envoie 1, 2, 3, ok, malloc de 3 fois un pointeur vers ça. Voilà, point. Plutôt que de créer une hash table qui fait déjà 88 octets, c'est bon, on a déjà dépassé le truc, il faut mettre les buckets dedans, etc. Ça, c'est une optimisation de 5.4 par rapport à 5.3. 5.3, lui, va faire des hash tables dans tous les cas. Donc déjà, un objet en 5.3, il pèse plus lourd. Plus il y a d'attributs, plus il pèsera plus lourd que le même en 5.4. Hein, ça, déjà, c'est sûr par rapport à ça. Donc, pour traquer vos variables, donc, on va voir. Donc c'est bien, j'ai une variable, elle est là, je sais à peu près combien ça me coûte en mémoire, à peu près. Bon, qu'est-ce que va en faire PHP quand je vais l'utiliser ? Donc ça, c'est important aussi. Okay, donc à chaque fois que vous avez une variable PHP, $A, $B, $C, qui pointe vers une Zval, un conteneur mémoire réel, en fait PHP va incrémenter ce qu'on appelle le fameux RefCount, dont vous avez peut-être entendu parler, en fait, le fameux RefCount. Le RefCount, c'est tout simplement le nombre de variables PHP, c'est un peu simplifié ce que je dis, mais on va l'accepter, qui pointe vers ce conteneur mémoire. Okay. Et PHP libère la mémoire. Il y a des gens qui disent que... Je mets ça parce que j'entends des choses des fois, enfin assez souvent même. Ouais, PHP, ça leak, ouais. Depuis 5.3, il y a un garbage collector. Avant, il n'y en avait pas, il y avait plein de leaks. C'est faux, c'est complètement faux. Ce code-là, il existe depuis PHP 4. Zval pointer destructor.
chaque fois qu'une variable PHP est libérée et détruite du script PHP, PHP passe dans zval pointeur destructeur. On voit bien qu'il enlève du gc remove zval from buffer. Gc, c'est le garbage collector. Donc ne traque plus cette variable puisqu'elle a été détruite. Et puis il fait bien un free dessus. Donc il libère bien la mémoire qu'il y avait derrière. Donc des fois, on entend des choses qui sont un peu. Bref, qui font un peu halluciner ou sortir les cheveux de la tête. Donc PHP a toujours traqué vos variables et il a toujours libéré la mémoire au moment où plus aucune variable ne pointe sur le conteneur et il le libère. Voilà. Hein ? En 5.0, en 5.1, en 5.2, en 5.3, en 5.4, en 5.5 et même en 4. Pas en 3. Parce qu'en 3, le Zen Engine n'existait pas. Il est apparu en 4. En 3, c'était complètement n'importe quoi. Bref. Alors, comment ça marche un petit peu les eval et les refcount ? Avec des petits schémas, c'est mieux, que j'ai repris d'un article que j'ai écrit sur developper.com. Je vous montrerai à la fin. Donc, $A égale foo, $B égale $A, on voit bien, et comme on peut s'en douter, que $B égale $A, il est hors de question de dupliquer le conteneur foo pour faire pointer B dessus. En fait, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il relie B au conteneur qui contient déjà la chaîne foo, et puis il incrémente simplement le refcount à 2. Et donc, il traque le nombre de variables qui pointent sur cet espace mémoire. OK ? Il utilise un système de copy on write, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, j'ai la même chose qu'avant, sauf qu'après, je vais changer $A. On voit bien que, en fait, il a simplement créé le nouvel entier 17 qui n'existait pas à la deuxième ligne. Okay. Il a fait pointer A dessus et du coup, il a diminué le refcount de foo à 1 puisqu'il n'y a plus que B qui pointe dessus. Okay. Donc il est très intelligent et très économe, en tout cas au maximum possible. Croyez-moi que c'est des choses qui sont vraiment beaucoup travaillées, quasiment quotidiennement dans le code source de PHP, ce genre de choses. Bon, plus ça, puisque maintenant, ça y est, c'est bon, ça existe, ça fonctionne, c'est très bien. Mais donc, il est assez économe, et ça, c'est un système qu'on appelle donc, le fameux copy on write, c'est-à-dire que j'ai B et A qui pointent vers la même structure foo. Au moment où j'essaye d'écrire sur B, il va copier, en tout cas il va allouer un nouveau conteneur mémoire pour contenir le nouvel entier. Il libère la mémoire lorsque le refcount tombe à 0. Bon, voilà, je vais faire un petit exemple assez bateau aussi. Donc vous avez toujours la même chose, donc une chaîne foo qui est dans A, B dans A, B égale A, C égale B. Donc on voit bien qu'ici il n'a absolument pas dupliqué la chaîne foo. Ok, il l'a bien laissé, il fait pointer 3 variables dessus. Donc vous avez un refcount qui est à 3. Ensuite, vous changez B. B égale bar. Bah, il va créer ici, cette fois-ci, une nouvelle valeur. Là, il va allouer de la mémoire pour bar. Il va faire pointer B dessus. Et puis, il va diminuer le refcount de foo, forcément, puisqu'il n'y a plus que 2 variables qui pointent dessus. Et quand vous faites un unset sur A, en fait, unset, c'est simplement refcount moins moins. Okay. Unset ne va pas forcément libérer de la mémoire. D'ailleurs, on voit bien que quand j'ai fait unset de A, mes deux conteneurs mémoire, ils sont toujours là. Donc j'ai exactement la même consommation mémoire avant le unset de A qu'après. Okay. Parce que A pointait sur une chaîne foo qui est toujours pointée par un autre symbole dans PHP. Donc il ne va évidemment pas libérer la mémoire. Sinon, vous allez avoir des ennuis dans votre processus. Ok ? Donc il faut arrêter de dire je mets des unset partout, ça peut être une technique, pourquoi pas, mais dire je mets des unset partout, il n'a pas libéré la mémoire, il y a un bug, non. Hein, on se calme, on se pose, et donc unset ne libère pas forcément de la mémoire, mais il y contribue. En tout cas, il décrémente le refcount d'une zval, puisque forcément il supprime un symbole, une variable PHP de cette zval. Alors pour traquer le refcount, comment est-ce qu'on fait ? Au niveau PHP, vous avez une fonction dans xdebug que vous connaissez tous, sinon vous pouvez taper sur le web, xdebug, debug zval, okay. Ça vous permet d'afficher le compteur refcount et le compteur isref. Alors isref, c'est quand vous utilisez des références et je ne vais pas en parler, parce que sinon on va passer beaucoup de temps, et puis on en utilise vraiment aujourd'hui très 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 peu, donc j'en ai pas parlé. Donc xdebug debug zval. Alors xdebug debug zval, il y a une petite astuce, vous voyez, vous ne lui passez pas $A, parce que si vous lui passez $A, qu'est-ce qu'il fait ? Vous allez lier $A à la table des symboles de réception de la fonction, donc vous allez augmenter son refcount de 1. Et du coup le refcount qui va vous sortir n'est pas bon. Logique. Okay. Puisqu'à chaque fois que vous passez une variable dans une fonction, à l'appel d'une fonction,
vous augmentez son refcount puisqu'il y a l'argument de la fonction qui pointe dessus en plus. Ok, donc forcément, vous ne pouvez pas passer ici $A. Donc vous lui passez le symbole A sous forme de chaîne de caractères et il le trouve et puis il vous dump ceci. Alors là, il y a une petite astuce, il y a une petite question à se poser. Pourquoi est-ce que dans $var, en fait, sur var A, donc ça vaut var A, ici, on voit bien, donc ça va répondre à la question de Hugo, on voit bien que le refcount est à 2, en fait. Donc ça répond à la question de Hugo. En fait, tous les attributs que vous déclarez, alors je ne parle pas des statiques, les statiques c'est la même chose, hein. Tous les attributs que vous déclarez au niveau du compilateur, en fait, eh bien vous avez la variable par défaut, public, $var a égale quelque chose, qui pointe dessus, et puis quand vous créez un objet, au travers de cet objet-là, que ce soit public, privé ou protégé, on s'en fiche en interne, vous pouvez aussi pointer dessus. Donc vous avez un refcount qui va finalement atteindre 2, et très important, PHP ne libère jamais la mémoire de ses attributs. Si je reviens un petit peu en arrière, il est impossible que PHP libère la mémoire au runtime de var A, puisque à n'importe quel moment du script, vous pouvez créer un objet de la classe A et pointer sur $var et donc sur var A. Donc PHP ne peut pas libérer cette mémoire avant qu'il ne termine, c'est-à-dire le tag de fin PHP, c'est fini, processus de shutdown. Ok, donc là, en fait, il va créer une zval qui va contenir la chaîne var A, il va la louer, donc var A, ça fait 4 caractères, donc il va bouffer 4 octets, plus un entier pour dire qu'il y en a 4, ça fait 8 octets dans la zval, qui en fait déjà 38, ça fait pas mal, et il libérera jamais la mémoire de ça, ça a été déclaré à la compilation, il ne peut pas le libérer. Okay. C'est pas un drame parce qu'il va justement jouer avec des pointeurs derrière quand vous créez plusieurs objets pour ne pas dupliquer la mémoire, mais il va jamais la libérer. C'est-à-dire que là, il va y avoir une astuce. Si vous faites, je l'ai mis en public exprès, si vous faites $A égale new A unset $A flèche var, là, vous allez tenter de lui dire déréférence-le. Vous faites un xdebug, debug zval, vous le voyez plus, mais c'est quand même encore en mémoire. Ah, xdebug a des petites limites. Donc c'est pour ça que le refcount est sur 2. Voilà, ça répond, je pense, à ta question, où on voit bien ici, $var, ça pointe sur var A, ok, donc $var pointe sur var A, et puis $A, mon fameux objet, au travers de l'accès public, peut pointer sur var A, donc il a un refcount de 2. Par contre, $A flèche fou, ça déclare à la volée un attribut, uniquement pour $A, ça ne concerne pas $A2, $A3, $A4, donc le refcount est à 1. Okay, quand je vais détruire $A ou quand je vais détruire $A flèche fou, il va détruire fou qui est stocké dans une hash table. Bon, là, je mets du string dedans, après, vous extrapolez à mettre d'autres objets, ce qu'on va voir après, à l'intérieur. Donc ici, bah, bon, une fois de plus, on le voit dans la source. Alors, la source de PHP est un peu compliquée quand on ne l'a jamais vue de sa vie. Il faut un peu dépoussiérer le bureau. Voilà, zend adref pointer de object flèche property table. Donc on voit bien qu'il stocke ça dans un tableau C, donc extrêmement économe en termes de mémoire. Ça, c'est du 5.4. Sous 5.3, ce n'est pas du tout le cas. C'est pour ça que ça consomme en partie, c'est pour ça que 5.3 consomme plus de mémoire que 5.4. Alors ici, bah, j'ai fait la même chose pour que tout le monde comprenne bien, sauf que là, j'ai un peu compliqué. C'est-à-dire que j'ai fait deux objets qui s'encapsulent l'un dans l'autre, une classe C, une classe B, ok, et puis bah, le constructeur de C prend B comme paramètre obligatoire. Donc ici, quand je crée $C égale new C de $B égale new B, quand je dump la variable C, on voit bien que C a un refcount de 1, normal, C ça pointe sur un objet de la classe C, et c'est le seul à pointer sur cet objet pour le moment, et puis on voit bien que dans cette classe C, public $B a un refcount de 2, ok. Et c'est tout à fait juste, puisque B, $B public, c'est un objet de la classe B, il est pointé à la fois par le $B du public, mais il est aussi pointé par le $B que j'ai mis dans le constructeur, là, dans le new. Hein ? Si j'avais enlevé, je pense que tout le monde le voit, j'ai pas de bâton pour vous le montrer, si j'avais fait $C égale new C de new B, j'aurais eu un refcount de 1 seulement, hein, sur le $B du public. Là, j'en ai un de 2. D'accord ? Donc si après je vais dans mon constructeur où j'appelle une méthode qui fait un unset this flèche B, ça ne libérera pas la mémoire qui est allouée par B, puisqu'il y a toujours un $B dans le script principal qui pointe sur cet objet-là. Okay ? Alors là, je fais le contraire, je fais un unset $B en dessous. Donc ici, j'ai bien descendu le refcount à 1,
mais mon objet B qui est dans le public dollar B, bah, il est toujours dans le public dollar B. Hein. Il n'est plus dans le dollar B du script principal, mais il est toujours dans le public. Donc la mémoire n'est pas libérée. Il faut que je la libère. Il faut que je fasse tomber le refcount à zéro. Quand le refcount tombe à zéro, il libère dans tous les cas, sauf pour les attributs qui sont déclarés. C'est-à-dire, pour ça, quand vous déclarez public dollar B égale array de, c'est pas possible. Ça, déjà, un petit problème au niveau du parseur. Et puis, si vous déclarez un gros tableau statique, vu que PHP ne libère jamais les attributs que vous déclarez à la compilation, ça ferait beaucoup de mémoire. Hein. Ou public $b égale new. Ça, c'est encore moins possible, parce que new, c'est de l'exécution. Quand il parse public $b, il n'a pas encore démarré le moteur d'exécution. Ça, il ne sait pas faire. Hein, c'est pas possible. On parse d'abord, on exécute ensuite. Alors un petit mot sur le garbage collector. Qu'est-ce que c'est que ce fameux garbage collector ? Le garbage collector qui est apparu en 5.3, alors ça, garbage collector, allez sur la page Wikipédia pour une définition. Le garbage collector, c'est quelque chose qui va permettre de libérer automatiquement les références circulaires. Les références circulaires, c'est le fait de rendre fou PHP, justement en faisant en sorte que les refcounts ne puissent jamais tomber à zéro. Et donc, en faisant en sorte que PHP ne puisse jamais libérer la mémoire d'un conteneur. Comment on fait ça ? Bon, on fait des références circulaires. Je pense que vous savez faire, c'est pas difficile. $A égale new A, $B égale new B, $A flèche B égale $B, $B flèche A égale $A. Hein, ça commence à se croiser. Et ensuite, unset $A et $B. Et qu'est-ce qui reste en mémoire ? Bah, B qui pointe toujours sur A, A qui pointe toujours sur B, mais j'ai plus accès à $A et $B pour les libérer. Donc là, j'ai une fuite mémoire. Doctrine, m'entends-tu ? Non, c'est un troll. On a discuté tout à l'heure, ça s'améliore beaucoup. Mais c'est très difficile, là, c'est $A, $B, ok, ça va, c'est facile. Vous connaissez Doctrine, vous savez comment c'est derrière, pour ceux qui ont mis le nez dedans. C'est pas si simple au quotidien de traquer dans sa tête, parce qu'on va le voir qu'on a, contrairement à Java ou à des langages qui sont un peu plus assis que PHP, c'est pas une critique du tout, on n'a pas d'outils. En PHP, on travaille sur ça, hein, mais des extensions, des choses comme ça, on n'a pas d'outils qui permettent de dire, comme dans Java, tiens, là, ton garbage collector, là, cet objet là, celui-là, ça va pas. Alors, on n'a pas d'outils, donc c'est... Ok, donc c'est pas facile. C'est pas facile au quotidien, surtout quand on a les fameuses références, enfin les références d'objets dans Doctrine, là, enfin les tables qui se... Vous voyez ce que je veux dire, là, hein, un objet A qui a une référence avec les annotations, là, vers l'objet B, donc il l'injecte tout seul... Ah, ça devient sympa à traquer. Après, vous avez des refcounts qui montent à 60. Vous vous posez des questions, dites merde. Qui c'est qui utilise tout ça ? Bon, ok. Alors, pour libérer ça, donc là, on voit bien, on a $A, on a $B, on met B dans A et A dans B, et puis on se supprime la possibilité d'accéder encore à cet objet A et à cet objet B en faisant des unset. En mémoire, il reste toujours B qui pointe vers A et A qui pointe vers B, le fameux problème de la référence circulaire, dont vous avez des dizaines d'algorithmes qui permettent de résoudre ça. On en a implémenté un dans PHP 5.3, derrière la fonction gccollectcycle, et vous savez que gccollectcycle, elle demande au garbage collector de passer et de dire bah, tout ce qui est référence circulaire, et qui ne sont plus accessibles, il ne va pas libérer des choses auxquelles vous avez encore accès, eh bien, il vous dit combien d'objets, combien de références il a libéré. Donc ici, on voit bien qu'il m'affiche 2. Okay. Sur un gros graphe d'objets, gccollectcycle, ça peut coûter un petit temps CPU. Hein, bon, sous 5.4, c'est encore dérisoire. Alors, là où on perd un peu pied, c'est quand on manipule même plus les objets nous-mêmes. Donc, on a un super truc qui s'appelle Container Builder dans Symfony, que vous connaissez tous. Alors, dumpez-le, regardez ce qu'il vous sort comme classe. Il vous sort un truc tout à fait normal, tout à fait logique. Donc ici, je déclare donc, une référence A, une référence B, une référence C. Bon, voilà, des objets ABC avec mon fameux C qui a le constructeur, qui prend B comme paramètre. Vous vous souvenez, vous avez tous vu. Donc je dump ce conteneur, il me sort ceci. Très bien, très juste, très, très intéressant. J'ai pas tout, si j'ai tout mis, mais le get est dans le extends. Okay, et donc là, on voit bien qu'à chaque fois qu'on va faire un get, bah lui, il va appeler la méthode get correspondante. Et il va mettre ça dans this flèche service, qui est un tableau. Okay, donc il va vous resservir votre objet à chaque fois, mais lui le mémorise. C'est un peu le principe du container, hein, conteneur. Donc vous avez beau libérer, vas-y, libère, unset. Tant que lui n'a pas décidé de libérer la dernière référence, elle restera toujours en mémoire. Hein. Je ne sais pas si c'est possible de lui dire, j'ai pas regardé jusqu'au bout. Vas-y, vide-moi this flèche service.
Je sais pas si peut-être que quelqu'un connaît. Je connais pas le conteneur par cœur. Il y a peut-être un truc clear, clean, shutdown ou je ne sais quoi qui permet de faire ça. Mais en tout cas, il faut pouvoir le vider. Il faut pouvoir lui dire bon, unset, enlève ta référence. Si moi j'en ai encore, bon, mes objets sont toujours là. Mais en tout cas, toi, arrête de t'attacher à mes objets. Je ne sais pas si ça existe. Là où ça devient encore plus astucieux, c'est quand vous utilisez des scopes. Il faut faire attention. Chaque scope va mémoriser une instance de l'objet pour lui-même. Ok, alors vous avez un scope qui s'appelle par défaut le scope prototype. Vous savez que le scope prototype, lui, il vous resserre toujours la même instance et il ne mémorise pas, donc il ne garde pas de référence, donc il, de référence entre guillemets, il n'incrémente pas de ref count puisqu'il ne garde pas en mémoire cet objet-là. Il vous ressort toujours le même. Ok, quand vous utilisez le prototype. Par contre, quand vous utilisez votre propre conteneur, votre propre scope, ici, vous voyez que en fait, il garde ça dans un autre tableau encore qui s'appelle scoped service de votre tableau, de ceci, de cela. Donc finalement, il peut garder pas mal de références en mémoire, donc faites bien attention à ça. Regardez un peu votre conteneur d'MP, un petit peu ce que ça donne en termes de classe. Ok, ça peut être intéressant de... Excuse-moi de te couper, Julien, oui, il va rester 10 minutes. Ouais, donc, très bien. Soit on fait 10 minutes de questions, soit on va faire 5-5. Continue, voilà, 5-5, comme tu le sens. Et après, on pourra m'attraper dans les différents compartiments. Alors, PHP n'alloue pas 1, 2 ou 32 octets. Donc ça, c'est important. Quand vous lui dites, crée-moi une chaîne de 1 octet avec le caractère A. Allez, on va dire 1 octet. PHP ne va pas allouer 1 octet. Il ne sait pas allouer 1, 2, 3, 4, 5. Il alloue par segment au niveau de l'OS. Par défaut, les segments font 256 kilooctets. Ok, donc tout de suite PHP démarre, donne-moi 256 kilooctets, je vais les utiliser, et quand je dépasse, redonne-moi 256 kilooctets, etc., etc. C'est segmenté pour éviter de fragmenter le tas du processus. Ok, c'est segmenté, les segments font 256 kilos par défaut, il les découpe en blocs et puis il les remplit, et dès qu'il a rempli un segment, il passe au suivant, et donc il le... Alors c'est aligné à la puissance 2. Il passe au segment suivant et donc il alloue par pas de 256 kg. Vous pouvez personnaliser ce pas. Vous n'obtiendrez pas grand-chose en termes de performance avec la variable d'environnement zendmm seg size. Okay, ça permet de personnaliser la taille. Et alors la grosse astuce de memory get usage et de memory get usage de trous. Memory get usage vous indique combien de blocs dans l'ensemble des segments sont alloués, okay. Mais ce qui consomme de la mémoire au niveau du processus, ce sont les segments, c'est le bleu ciel. Le bleu ciel consomme de la mémoire, le rouge c'est de la mémoire qui est consommée, qui est utilisée par PHP pour des variables, pour ce que vous voulez, et le gris c'est ce qui reste. Et le memory limit peut être à cheval sur deux segments, c'est pas très malin de faire ça. Si vous mettez 1024, si vous mettez une puissance de 2, ça va, si vous ne mettez pas une puissance de 2, ça va être à cheval, donc c'est pas très très malin. Ok, donc faites bien attention, memory get usage, ok, il me retourne un certain nombre d'octets, mais il alloue des pas de 256, donc si vous n'êtes pas à cheval sur 256, allez jusqu'au 256 suivant, vous aurez la taille réelle, c'est le fameux memory get usage de trou, le fameux real usage, hein, c'est ce que je vous résume un petit peu ici. Et puis le peak usage, bah c'est combien il a fait au maximum avant de voir, il a relibéré parce que vous avez fait des unsets ou des choses comme ça. Okay. Donc, il n'existe pas trop d'outils pour monitorer la consommation mémoire de PHP. Moi, j'ai tendance à utiliser /proc, j'aime bien, ou pmap, pour ceux qui connaissent. Alors après, vous pouvez utiliser Volgren avec Massif, ça c'est du hardcore, mais c'est bien détaillé, donc c'est sympa. Sinon, Xdebug, alors vous avez même prof, même track, qui sont des extensions. Qui fonctionne plus ou moins bien. Là, j'ai fait un petit memprof chez nous. Et puis, bon, bah, sans surprise, hein, qui c'est qui consomme, bah, c'est l'autoloader, c'est-à-dire le fait de parser les classes. C'est vrai que je n'avais pas exécuté grand-chose. Ça devait être une page d'accueil, un index.php, enfin, un truc comme ça. Donc, on voit que finalement, bah, il alloue quand même énormément de mémoire pour faire du load class, c'est-à-dire pour parser mon code. Je n'avais pas de cache d'opcode, hein, donc il m'a parsé mon code, etc. Et puis derrière, bon, bah, le reste, ça devient un petit peu négligeable, quoi, du 9%, du 6%, du 5%, par rapport à du 47%, c'est un peu négligeable. Donc ça, c'est memprof, PHP Memory Profiler, c'est Arnaud Leblanc qui fait ça. J'ai forqué son repo sur GitHub, j'ai 2-3 trucs à lui rajouter. Ça peut être sympa.
Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ? On n'a pas vraiment d'outils, on n'a pas vraiment de moyens de savoir ce qui se passe, de visualiser immédiatement et simplement ce qui se passe dans PHP. Donc faites attention à ce que vous faites, faites attention aux grosses chaînes, faites attention aux gros objets, faites attention au nombre de variables qui traquent vos objets, notamment à l'intérieur du conteneur de dépendance. Ça peut coûter cher, vous avez beau faire des unset partout, le conteneur de dépendance il garde quand même une référence sur votre objet pour vous la resservir, pour éviter de réinstancier l'objet, ce qui est tout à fait louable. Et c'est son rôle, mais ça garde quand même une référence, donc l'objet n'est jamais libéré dans le container. En plus, c'est protected, donc vous n'avez pas accès, donc faites bien attention à tout ça. Pour Doctrine, ça se complique, parce qu'en plus, il suffit de la réflexion, une catastrophe, ça. Donc c'est un peu plus chaud sur Doctrine, on ne sait pas trop, parce qu'en plus, il garde dans l'Entity Manager, enfin, il y a plein de choses qui se passent en interne, donc déjà, il faut bien comprendre ce qui se passe en interne, ça peut être un peu difficile, mais ça s'améliore, hein. Donc mettez votre Doctrine à jour si vous avez la possibilité, parce qu'il y a des patchs, souvent, en termes de performance, sur Symfony aussi, d'ailleurs, qui sortent pour la... notamment pour la consommation mémoire. Voilà, donc je vous ai laissé quelques liens à la fin que vous pourrez regarder si ça vous intéresse. Donc on a un stand avec une belle cheat sheet Symfony. J'en ai distribué quelques-unes ce matin. Je vais prendre les questions. Il doit rester 5 minutes, c'est ça à peu près, hein, ou... Merci. Tout à l'heure, tu as dit que quand tu avais un objet avec un attribut, admettons dans cet attribut-là, je mets du texte, un méga de texte. J'ai aucun moyen pour vider un méga de RAM. Si c'est déclaré public $A égale ABCD 1024 x 1024 caractères, non. Parce qu'en gros, moi j'avais un démon qui. Voilà, c'était ce cas-là, j'avais du texte et je graphais la mémoire. Et quand je faisais un. Enfin, mon objet égale nul, par exemple, enfin, l'attribut égale nul, je voyais bien la mémoire quand même qui redescendait, mais pas autant. Quand j'ajoutais un méga, j'avais bien la RAM qui montait d'un méga. Quand j'en enlevais, ça perdait, je sais pas, 100 kilos, un truc comme ça. Mais... Alors oui, ça, c'est autre chose. Mais j'ai vraiment aucun moyen de tout vider. Alors si, on peut. Déjà, comment tu as obtenu ces chiffres-là déjà. Memory get usage. Voilà. Donc il faut savoir que quand on fait un unset, ça peut libérer c'était la mémoire. Pas un unset, hein, justement, parce que l'unset sur l'attribut, c'est un peu compliqué. C'était je remplaçais le 1 méga qui avait, enfin le texte qui avait dans l'attribut par rien. Mais ce texte-là est toujours en mémoire quelque part, parce que si tu recrées un autre objet de cette classe-là, c'est cet attribut, c'est ce texte-là. Bah non, parce que c'était quelque chose que j'avais mis dynamiquement. Ah, alors dynamiquement, non, c'est pas le cas. Alors à ce moment-là, il libère. Mais pas complètement. Ça dépend. Donc j'ai mis sur un slide, je suis passé un peu vite sur la fin. Il libère pas forcément la mémoire tout de suite. Il peut se dire, bon bah là j'ai, ah bah là j'ai la place pour stocker pile 4 fois une zval. Donc vu qu'il risque de me demander de créer des variables par la suite, c'est idiot que je rende ça à l'OS pour dans la seconde qui suit lui redemander. Donc il va cacher les blocs. Il ne va pas forcément tout de suite libérer la mémoire. Et en plus, il y a encore des astuces derrière. C'est qu'en fonction du handler de mémoire qui est utilisé, quand vous utilisez malloc et free de la libc sous Linux ne rend pas la mémoire au kernel non plus tout de suite. Hein ? Free, si vous savez comment ça fonctionne, free et malloc, c'est compliqué, mais il y a aussi beaucoup de cache de blocs là derrière. Et donc, il faut utiliser un autre handler de mémoire pour bien l'avoir se libérer. Mais il ne va pas forcément libérer la mémoire tout de suite. C'est un petit peu quand il veut. Si j'ai pas... Il y a d'autres questions ? Il y en a peut-être d'autres, ouais, je pense. Peut-être que t'en prends encore une question, parce qu'il y a les autres. Ok, pas de souci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ? Bon, Greg, t'avais une autre question ? Pas tout de suite. T'as un ordre de grandeur ? Non, j'ai pas d'ordre de grandeur. Faut regarder la source, faut regarder quand il veut. Je sais plus, ça dépend s'il est compilé en mode debug ou pas, déjà. C'est un mode debug, il libère quasiment rien. Enfin, il fait beaucoup d'autres choses. Il consomme beaucoup plus de mémoire aussi en debug. J'ai pas d'ordre d'idée. Je sais plus où est l'algorithme. S'il est dans zendalloc.c et il fait mal à la tête. Donc, on peut le regarder après si vous voulez, mais... Moi-même, je l'ai pas. Enfin, il y a qu'une seule personne qui le comprend aujourd'hui, c'est Dimitri Strogoff de chez Zen, quoi. Ou Andy Gutman, ou Seth Soras, qui a personne d'autre qui est capable de débugger ça au jour d'aujourd'hui, à ma connaissance. Enfin, on peut se mettre dedans, hein. C'est bon. Quelques jours, à raison de 8 heures par jour, oui, on peut se mettre dedans, mais sinon, non, là, aujourd'hui, non. C'est pas possible. Bon, en tout cas, il est économe. Enfin, PHP,
qui libère souvent quand même la mémoire au niveau de l'OS. Il ne garde pas toujours. Souvent, on fait des unsets. Enfin, on sait qu'il va libérer. On le constate, mais il faut le constater. Pas avec un memory get usage. Il faut essayer de le constater avec slash proc, derrière slash proc. Il faut regarder les segments mémoire de votre processus. Et puis là, vous voyez le kernel qui crée des segments ou qui en libère. Enfin, il faut descendre un petit peu plus bas niveau pour voir ça. Je pense que c'est tout. Je pense que c'est bon. Ok. Merci beaucoup. Merci bien.